sur votre chaîne de Texia Manucure. Alors voilà, pour aujourd'hui, nous sommes en plein mois de l'amour, du mois de l'amour. J'ai fait une vidéo tutoriel de mes ongles. Ceci. Vous voyez, un peu floral, je suis habillée en fleurs et tout, brol. Enfin voilà. Et donc sur cette vidéo, je montre tout simplement comment on peut faire chez soi, tout bêtement, avec... Bon, moi je l'ai fait avec le semi-permanent, avec le vernis semi-permanent. J'ai gardé ma fondation il y a deux semaines, déjà deux, trois semaines, presque un mois que j'ai ces ongles-là. Donc j'ai juste enlevé mon ancien vernis qui était un gris nude. Et donc ensuite, j'explique tout simplement comment je pose mon vernis semi-permanent qui est opaline de la marque de Ilac. C'est ce rose-là. C'est un rose nude. Bon, sur moi, c'est pas terrible, hein. Mais voilà, j'ai fait ce petit dessin des fleurs avec des roses, tout simplement. C'est très simple à faire, très simple à utiliser, les filles. Je vous le conseille pour celles qui sont assez fleurs, toutes celles qui aiment le début du printemps qui va arriver très bientôt. N'hésitez pas à vous faire plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera, vous fera voir que voilà, il faut pas être artiste, peintre ou quoi que ce soit pour faire quelque chose de bien avec le vernis simple. Ça fonctionne avec un vernis normal. Ça fonctionne aussi avec le semi-permanent ou avec un gel. Mais en général, ne jamais mélanger le gel avec le semi-permanent parce que ça n'adhère pas ensemble. Mais voilà, moi j'ai fait avec le semi-permanent, ça fonctionne. Donc voilà, ça a duré à peu près l'heure de ma pause, on va dire 45 minutes maximum, une demi-heure, 45 minutes. Donc les filles, je vous le dis, avec un simple vernis, vous en avez aussi pour 45 minutes, le temps de sécher et ainsi de suite. Mais bon voilà, avec un semi-permanent, une demi-heure, c'est top. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Oh, 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 oh
Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, c'est Texia Manucure, sur mon Twitter, c'est Texia, et sur mon Instagram, c'est Graciano quoi. Donc voilà, pour celles qui ont des questions, pour celles qui veulent discuter, je suis ouverte à toutes et à tous. Et voilà, je vous souhaite une super bonne semaine, bisous bisous. Et surtout, passez un beau mois de février. Et pour celles qui ont des Valentins et des Valentines, voilà, passez tous des bons moments pour ces 365 jours suivants. Je vous embrasse.